Arrête. Merci. Arrête. Marche. Allô? Enfin, j'ai une preuve à montrer à ma femme que je ne suis pas parti en voyage de touriste. J'ai la preuve que je travaille maintenant, OK? Donc, ça, c'est parfait. Écoutez, merci beaucoup de m'applaudir, de m'accueillir ce soir. J'espère que vous allez bien. Non, bien. Vous allez bien ou vous allez bien? Avouez que ça sonne moins bûcheron, hein? Bien. Oui. Je gagne beaucoup plus de crédibilité quand je dis bien. Écoutez, ce soir... Ce que je vais faire, là, c'est que je vais vous prouver, avec quelques exemples très, très, très concrets, ce n'est pas des grandes paroles et des grandes théories, là, non, des exemples très, très, très concrets, que les résultats extraordinaires dans nos vies, personnelles, professionnelles, peu importe, là, n'arrivent que lorsqu'on transcende des peurs et des inconforts pour grandir, évoluer, embrasser le changement au lieu d'y résister et de souffrir inutilement. Écoutez, je résume rapidement mon parcours. J'ai œuvré 17 années dans l'industrie générale du show business, humour, chanson. J'ai été producteur de disques pendant 5 années à Montréal, de grandes vedettes de la chanson québécoise qui n'ont jamais percé finalement en France, mais au Québec sont devenues de très grandes vedettes de la chanson. Et ensuite de ça, à partir de 28 ans, j'ai fondé ma société, une agence de communication qui était spécialisée dans la promotion des grandes vedettes internationales. Toutes les grandes vedettes internationales et canadiennes qui étaient de passage à Québec, dans ma ville, passaient par ma société. J'avais environ 12 salariés à temps plein, principalement des attachés de presse. Et avoir su qu'un jour je ferais des conférences, j'aurais pris beaucoup plus de photos de ma période dans le show business, mais il me reste quelques photos uniquement. Malheureusement, ça c'était ma société, ça c'était mes salariés, principalement des attachés de presse qui faisaient la promotion de Céline Dion, Cirque du Soleil, Elton John, Charles Aznavour, toutes les grandes vedettes que vous connaissez de passage à Québec, passaient par mon agence. Et il me reste quelques photos, comme je vous disais, de ma période, et un de mes bons clients. J'avais plusieurs clients, mais vous connaissez Garou ici, un petit peu. Ça, c'est à l'ambassade de France, à Québec. Il venait de gagner une médaille. L'ambassadeur français venait de lui décerner une médaille que moi, je tenais fièrement dans ma main. Oui, parce que j'étais plus fier que lui. Et un autre de mes bons clients à l'époque, vous connaissez Charles Aznavour. Écoutez, mais lui, là, il était con. Là. C'est vous qui étiez con? Non, mais il disait des conneries, non? Moi je le sais, là, j'étais à côté. J'ai entendu dire, probablement qu'il était beaucoup trop vieux, ou il prenait beaucoup trop de pilules, il était devenu sénile. Non, il disait des conneries. Non? Savez-vous quelle connerie il a dit? Je l'ai entendu, il a dit, j'étais à côté, il a dit, écoutez, moi j'aime tellement mon travail, là, j'aime tellement ce que je fais, que je ne veux pas arrêter de travailler, donc à 94 ans, je donne encore des spectacles. On sait que ça se peut pas, ça. C'est impossible. Non, tu ne peux pas aimer ton travail au point de travailler jusqu'à 94 ans. Probablement que lui ne savait pas qu'il était archimillionnaire. Ouais, probablement qu'il pensait qu'il travaillait pour arrondir les fins de mois, ou payer le loyer, ou manger. C'est sûr que son comptable ne lui avait jamais dit, « Monsieur Aznavour, vous pouvez vous permettre d'arrêter de travailler un petit peu. » Oui, vous. Non, c'est sûr qu'il lui avait jamais dit « Vous êtes archimillionnaire. » Parce qu'on sait tous que le but ultime de la vie, le sommet de l'épanouissement personnel, c'est de prendre sa retraite le plus jeune possible. Hein? Et arrêter de travailler et de plus rien faire. On sait que c'est ça le rêve d'une vie. Hein? C'est le sommet ultime. Quelle façon bizarre de penser. J'aime tellement ce que je fais que je vais le faire toute ma vie. Juste pour cette raison. Et j'ai produit de grandes vedettes de la chanson québécoise, comme je vous disais, qui n'ont jamais finalement percé en France, mais au Québec, oui. Donc, Kevin Parent, écoutez, on avait vendu 800 000 copies des deux premiers albums de Kevin à l'époque. Faites le calcul, là, pour 7 millions de francophones au Québec, 800 000 copies, c'était comme si à l'époque, il avait vendu, proportionnel aux États-Unis, c'est comme s'il avait vendu 50 millions d'albums. Il était devenu une grande, très, très grande vedette. Ça, c'est une photo après un gala des victoires de la musique québécoise. On appelle ça des Félix au Québec. Il venait de gagner 4 Félix, 4 victoires de la musique. Ça, c'est Kevin, sa copine, 2 musiciens et moi en arrière ici. On était très amis. On avait le même âge. On a encore
le même âge. Et on est encore très amis. Et quand je vous dis très amis, ça c'est chez, dans la cour arrière avec mon papa, moi, Kevin, avec mon père. On allait même à la chasse à l'orignal ensemble. Quand je vous dis que j'étais vraiment dans l'industrie du show business. Ça c'est un ami ici, le petit point rouge. Ça c'est moi avec la casquette bleue. Et connaissez-vous Rock Voisine ici? Rock Voisine, oui, ça c'est Rock Voisine. Ça c'est Charlie, trouvez Charlie, ce qu'on appelle un orignal au Québec, Kevin, un ami. Et j'ai produit donc plusieurs vedettes. Ça c'est grosso modo mon parcours professionnel de 22 ans. J'ai un bac en marketing, un bac au Québec, c'est l'université, là. J'ai un diplôme universitaire en marketing. Donc j'ai travaillé là-dedans pendant 17 années. 5 ans comme producteur de disques et 12 années comme promoteur de grandes vedettes internationales. Et il y a, là j'ai 48 ans, et il y a 7 ans, quand je pensais à faire la promotion des grandes vedettes internationales et que je me fermais les yeux et que je pensais à ça, là, à l'intérieur de moi, là, ça ne faisait plus beaucoup. C'est-à-dire, comment t'as dit ça? Ça t'allume? Comment t'as dit tout à l'heure? Vibrer. Ça te fait vibrer. Ouais, ça faisait plus. Ouais, ça, je vibrais plus beaucoup. Je ne vibrais plus du tout. Ouais. Et. Écoutez, je le sais ce que ça donne lorsqu'on marche vers ce qui nous fait vibrer. Je vais vous donner quelques exemples ce soir, mais je pourrais donner des conférences 24 heures sur 24 pendant 7 jours sur 7 avec des preuves à l'appui, avec des photos. Je l'ai prouvé 1000 fois. Lorsqu'on marche vers ce qui nous allume réellement, pour de vrai, là, au niveau du cœur, ce n'est que comme ça qu'on obtient des résultats extraordinaires, de fou, de wow. Puis j'ai même des preuves ici dans la salle aujourd'hui. J'ai rencontré des gens à Nantes l'année passée et je le vois ce que ça donne quand on marche vers du fou. Il arrive du fou. Lorsqu'on, ça, c'est du fou, ça, c'est par là-bas. Et quand on marche par là-bas, ça, c'est vers ce qui est correct, moyen, des résultats ordinaires, faciles, confortables. Ça, c'est par là-bas. Mais si on marche vers du fou, on se rapproche du fou, qui crée beaucoup de joie et d'enthousiasme et de feu d'artifice dans notre tête. Et donc, il y a 7 ans, moi, je ne vibrais plus. Et j'ai dit à ma partenaire, mon associé, je lui ai dit, écoute, je te donne les parts de ma société et je marche vers autre chose. Ouais, j'avais une nouvelle bulle. Moi, ce que j'appelle mes bulles, ça, c'est la chose qui part de l'intérieur. Appelez ça du cœur, peu importe, de fou, on s'en fout. Ça part de l'intérieur, ça lève à notre tête, ça fait pouc. Ça, c'est la chose qu'on voit. Quand on y pense, ça crée beaucoup de joie et d'enthousiasme. Et j'ai dit à mon associé, écoute, moi, là, j'ai une nouvelle bulle à 41 ans. J'avais toutes les bonnes raisons rationnelles de ne pas faire ça, mais je l'ai fait. Une de mes meilleures décisions à vie. Je lui ai dit, écoute, moi, j'ai une nouvelle bulle. Moi, c'est, quand je dis une bulle, moi, c'était une révélation. À 41 ans, en regardant mon parcours avec le recul, j'ai vraiment réalisé, moi, c'est uniquement à 41 ans que j'ai réalisé ça, là, que les résultats extraordinaires, c'était toujours le même processus. Quand j'obtenais des résultats extraordinaires dans ma vie, c'était toujours le même processus. Ça commençait par « je le sens », « je comprends rien », au niveau rationnel, cérébral, logique, et surtout raisonnable, non, je comprenais rien. Je le sentais, puis ça créait beaucoup de joie. Et dès que je le sentais, automatiquement, j'avais très peur. Peur, peur, peur. Au Québec, on dit avoir la chienne. Ouais, je ne sais pas pourquoi on dit la chienne, mais au Québec, avoir la chienne, c'est avoir très peur. Et donc, automatiquement, ça venait main dans la main. Ma poussée de vie venait main dans la main avec la peur. Mais je le faisais quand même si j'avais très peur, j'avais la chienne. Et dès que je le faisais, c'était difficile tout de suite. Pas un moment donné, tout de suite. Comme le saumon, vous connaissez les saumons, les poissons, là, lorsqu'ils remontent la rivière, à leur source, ils reviennent à leur source, dans la bonne rivière, jusqu'au bout de la rivière, exactement où ils sont nés. Et dès qu'ils sortent de leur fosse, c'est-à-dire de leur zone de confort, quand le courant leur passait 15 pieds au-dessus de la tête, ils se reposent dans la fosse. Lorsqu'ils sortent de la fosse, ils se mettent la vie dans la face tout de suite, c'est-à-dire le nez à contre-courant. Et donc, moi, c'était toujours le même processus. Je le faisais, je sortais de mon trou, de ma fosse, de ma zone. C'était difficile tout de suite. Là, j'avais le nez dans le courant, à contre-courant. Et je continuais parce que je le sentais que c'est ce que je devais faire, mais c'est dans le courant que je trouvais ça difficile, que je voulais abandonner, que je doutais, que je me disais « Oh, c'est peut-être une erreur ce que je viens de faire parce que c'est très, très, très difficile. » Et c'est dans le courant que ça prend de l'énergie, de la foi, de la patience, du temps, de l'argent, tout ça, là.
Et je me rendais quand même toujours au point de bascule, mais je pensais abandonner parce que je n'étais plus capable, j'étais fatigué. Mais le point de bascule, c'est là que ça se passe. Nous, parfois, on entend la magie, les synchronicités, les planètes qui s'alignent. Ça, c'est au point de bascule. Le point de bascule, ça, c'est pareil comme le saumon. C'est lorsqu'au bout de la période de courant entre deux fosses, c'est où sa tête, c'est de la physique, c'est pas de la croyance, c'est de la physique, c'est où sa tête commence à un moment donné à passer sous le courant. Ouais. Plus il avance, plus il fait une entrée de fosse, dans une nouvelle fosse. Moi, j'appelle ça une entrée de zone. Ça, c'est au point de bascule où nous, on redevient confortable, à l'aise, en possession de nos moyens, très confiants dans quelque chose de complètement nouveau. Et moi, c'était ma révélation parce que ça a été toujours le même processus. Je l'ai fait 1000 fois là, dans ma vie personnelle, professionnelle, à petite échelle, à moyenne échelle, comme à grande. C'était toujours le même processus. Et j'ai dit à mon ami, il y a 7 ans, je lui ai dit, écoute, tu sais quoi? Moi, je vais devenir un spécialiste de ça. Je dois absolument dire ça aux jeunes. Moi, j'aurais aimé ça qu'on m'en parle à l'école de ça. Ouais, au lieu de faire 3 ans de latin, là, moi, j'ai fait 3 ans de latin, j'aurais aimé ça qu'un professeur m'en parle 1 heure. Dans les 3 années, là, qu'il me parle 1 heure de ça. Tu vas voir, Daniel, ta vie, ça va être une succession continue de fausses, courants, fausses, courants, fausses, courants. Période facile, transition difficile. Facile, transition difficile. Du début, c'est-à-dire de la sortie de l'utérus, jusqu'au bout de la rivière, jusqu'à la fin. Pas uniquement à la crise de la quarantaine. Non, non, toute ta vie. Même si tu ne changes pas de travail et de métier, de carrière, tu vas vivre du changement sans arrêt. Et si tu ne veux pas souffrir, il faut que tu saches que ça va arriver constamment toute ta vie. Tu vas souffrir beaucoup moins et tu vas embrasser le changement au lieu d'y résister et de souffrir. Donc, je disais à mon ami, moi, je vais devenir un spécialiste de ça, je dois, de cette question-là. Moi, c'est une révélation totale. Je l'ai toujours fait sans m'en rendre compte et je l'ai réalisé à 41 ans. Et je lui ai dit, écoute, moi, je ne sais pas comment je vais faire ça, mais je vais devenir un spécialiste et je vais dire ça aux jeunes. Donc, je vais passer des gens qui sont passés par là dans la vie. Et je vais les passer en entrevue vidéo et je vais mettre ça sur YouTube. YouTube, ici, c'est YouTube. Hein? OK, moi, je vais mettre ça sur YouTube quand même. Et ça ne veut pas dire changer de travail et de métier. Non? Je le répète, je peux le répéter 1000 fois, je ne le répéterai pas assez. Non? Ça ne veut dire que de transcender des peurs et des inconforts, des choses stressantes, pour passer à un autre niveau. Obtenir des résultats auxquels on n'est pas habitué. Parce que nous, on aime ça quand on fait copier-coller. Hein, copier-coller, là, on copie-coller, ça, c'est facile. Ça, c'est être sur l'autoroute parce que c'est facile, confortable. Donc, on tourne dans la fosse. Et je vais mettre ça sur YouTube. Et tout le monde, 100% de la population vit ça. Ce n'est pas une question de richesse, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit un homme, une femme, un jeune, un vieux, qu'on soit en Polynésie, au Maroc, au Québec ou ici à Nantes. Dès qu'on a un cerveau, ça fonctionne comme ça. Donc, je vais passer les gens qui ont transcendé des peurs et des inconforts. Et je vais leur poser la question, comment ça fonctionnait dans ta tête? Ouais, avant, tes peurs, tes craintes, tes doutes, tes obstacles, ton stress, ton angoisse. Et quand tu l'as fait, quand tu t'es mis le nez dans le courant, quand tu t'es mis la vie dans la face, à quel point c'était difficile? Et raconte-moi à quel point c'était difficile et pendant combien de temps? Et au point de bascule, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi tes résultats extraordinaires au point de bascule? Donc, j'ai dit à mon ami, je vais faire ça. Et mon ami me dit, écoute, avant de poser la question aux autres, à d'autres personnes, écris-toi quand tu le fais. Ouais, donne des exemples concrets, parce qu'elle connaissait mon parcours. Parle de ça. Ouais, mais je lui ai dit, écoute, mais je fais quoi? J'écris quoi? Elle m'a dit, je sais pas, moi, écris un blog. Je pense que ça marche, des blogs. C'est très populaire, des blogs. J'avais aucune idée c'était quoi un blog. Je me renseigne c'est quoi un blog. Fait que j'ai écrit quelques articles de blog sur mon sujet que je donnais juste à elle. J'avais zéro confiance que je savais écrire. Je n'avais jamais rien écrit de ma vie rendu à 41 ans. Et je voulais surtout pas qu'elle publie ça sur Internet. Je ne voulais que ce soit elle seulement qui lise ce que j'avais écrit. Donc, après quelques articles de blog, il y a 6 ans et demi, elle me dit, « Hey, tu sais quoi? Tes articles de blog, là, je pense que ça serait beaucoup mieux de lire ça comme un livre. » Non. Sans un livre, je sais exactement c'est quoi. Ouais, et moi, je ne suis pas un auteur. Je ne suis pas un écrivain. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je n'ai jamais pensé à ça de ma vie. Si je n'y ai pas pensé à 41 ans, ça veut dire que je ne suis pas un auteur et un écrivain.
De toute façon, je ne serai jamais en boutique, en librairie, en bibliothèque. Je ne serai jamais édité de toute façon. Mais elle me dit, j'avais zéro confiance. Mais ça, c'est une autre chose que j'ai appris dans la vie. Ça ne sert à rien d'attendre d'avoir confiance pour faire la chose qu'on sent qu'on doit faire. Non, c'est le contraire. La confiance se bâtit à coup d'expérience, de claques sur la gueule, de feedback positif, de commentaires constructifs. C'est comme ça que ça se bâtit, la confiance, à force de vivre l'inconfort et le stress. Et à un moment donné, le mur de vapeur, le mur de feu, qui est un mur de vapeur, s'évapore. Ouais, et on sait comment faire. Et là, on devient confiant. Et donc, après, elle me dit, par contre, tu sais quoi, tu devrais essayer d'écrire un livre. Tu devrais essayer. Je dis, OK, je vais essayer. Fait que je prends mon ordi portable qui est ici, je reprends mes articles de blog et je réécris sur mon sujet. Quand moi, je l'ai fait, dans ma tête, avant, pendant, après, mes peurs, mes craintes, mes doutes, mes obstacles, la période du courant, point de bascule, qu'est-ce qui est arrivé? Et après avoir lu ça, ça a donné du gros n'importe quoi. Ça a donné ça. Ce n'est pas un cours universitaire, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas une biographie. Non, c'est moi quand je l'ai fait. Regarde avant, regarde pendant, regarde après, regarde qu'est-ce que j'en pense de ça. Et après avoir lu ça, mon ami me dit, il y a 6 ans et demi, elle disait, mais c'est cool, tu vas appeler un éditeur pour ton livre. Moi, je ne suis pas un auteur, je ne suis pas un écrivain. Pas parce que toi, tu aimes ça, que ça veut dire que c'est bon. Non, tu es peut-être uniquement très, très, très poli. Donc, moi, je vais m'imprimer uniquement 2 boîtes de 50 exemplaires. Et ça, ça va être une carte d'affaires, une carte de visite. Ouais. Moi, je vais donner ça aux gens. Je vais m'imprimer moi-même des copies de ça. Et je vais donner des copies aux gens avant de faire des entrevues et de mettre ça sur YouTube. Et elle dit, OK, c'est bon. Écoutez, moi, là, ça faisait 6 mois que j'étais là-dedans. C'est long, 6 mois, là. Quand elle dit comme ça, c'est vite. Mais lorsque c'est toi, pendant 6 mois, qui est dans les culottes, là, ouais, et que tu ne vis que des sorties de zone, toutes des choses que tu n'as jamais faites de ta vie pendant 6 mois, c'est-à-dire écrire une ligne, un chapitre, un paragraphe. Ah oui, qu'est-ce que je fais après? Ah oui, c'est vrai, mise en page. Ah oui, mise en page. J'ai jamais fait ça de ma vie, mise en page, je trouve quelqu'un. Ah oui, qu'est-ce qu'il faut faire après? Ah oui, correction, révision. Ah oui, c'est vrai. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah oui, une couverture, page couverture. Ah oui, c'est vrai. Après, comment je m'annonce? Ah oui, un site internet. Ah oui, c'est vrai. Et là, ça faisait 6 mois que je vis 0 garantie de succès, 0. 100% risque. Il n'y a aucun orienteur à l'école qui recommande aux jeunes de devenir des spécialistes de sortie de zone de confort. Ce n'était que du risque. Rien de logique, rien de rationnel, juste du fou. Mais moi, je le sentais. Parce que ça créait beaucoup de joie et d'enthousiasme dans ma tête. Ça, c'est le chemin à suivre. Écoutez, là, ça faisait 6 mois que j'étais dans le courant et que je trouvais ça difficile, stressant, angoissant, 0 garantie, 100% risque. Et lorsque ça fait longtemps que tu es dans le courant, tu veux abandonner. Tu n'es plus capable. Tu as besoin d'argent. Tu as besoin de persévérance, de patience, de temps, d'énergie, tout ça. Là. Et là, je voulais abandonner. Lorsqu'on a la vie dans la face, dans le courant, là, la vie veut juste nous... Ça, c'est de la physique. Là, veut juste nous retourner en arrière. Ça, c'est la première tentation. Dans ce qu'on faisait avant, dans ce qui était connu, mais il faut se rendre au point de bascule. Écoutez, 2 jours avant d'appuyer sur « Envoyer », moi, je m'annonçais par email. Moi, je n'ai jamais appelé un éditeur pour me faire publier. J'avais zéro confiance. Donc, je m'annonçais par email, avec les emails que j'avais cumulés dans les 17 années dans le show business. Et mon petit-neveu m'avait fait un site Internet sur mon sujet, juste pour ça. DanielBlouin.com, sortiedezone.com, c'est le même site Internet. Et les gens pouvaient acheter avec leur carte bancaire, un par un par la poste, ou en PDF dans leur ordinateur, mais je vous jure, 2 jours, avant d'appuyer sur « Envoyer » à ma liste de emails, je ne voulais plus du tout sortir mon livre. Là, j'avais très peur. Et j'avais très peur, et je disais, je me souviens, là, j'étais dans la cuisine avec ma femme, je m'en souviens comme si c'était hier. Je lui ai dit, écoute, je ne comprends pas ce que je suis en train de faire. Là, ça fait 6 mois que je suis là-dedans, je ne comprends rien. Ce n'est même pas un métier, ce n'est même pas une carrière. Ça va être un suicide d'image publique. Moi, je vais m'annoncer à des gens que je connais sur ma liste de email. Oui, moi, j'ai écrit une carte de visite, ouais, ça, sur transcender ses peurs, ses inconforts pour faire ce qu'on sent qu'on doit faire dans la vie.
Ouais, et moi, je pensais à mes amis. Dans ma tête, je voyais le visage de mes amis, de mes coéquipiers au hockey sur glace. Je joue au hockey sur glace depuis que j'ai 4 ans. Ça fait 44 ans, j'en ai 48. Je joue encore au hockey sur glace à chaque semaine. Et moi, je voyais leur visage dans ma tête. Deux jours avant d'appuyer sur « Envoyer », je les imaginais avoir reçu mon email et me dire « Hey, Daniel, on a reçu ton email hier. Hein. » Tu sais, la chose que tu annonces, qui n'est pas un livre. Moi, tu n'es même pas publié, tu n'es pas édité. Ah, bravo. Est-ce que tu vas vendre 10 copies de ça? Moi? Hey, c'est très viril, hein, comme tu dis. Moi, je voyais leur visage dans ma tête. Est-ce qu'il y en a ici qui se sont déjà fait couper les jambes par le jugement des autres? L'opinion des autres? Personne. Il y a juste moi qui est sensible à ça. À l'opinion de mon entourage, de mes amis, de ma famille, tout ça. Moi, ça me tuait. Ça me coupait les jambes. Mais en même temps, je le sentais que c'est ce que je devais faire. Ça faisait 6 mois, j'étais là-dedans, c'était fini. Il fallait juste que j'appuie sur « Envoyer » à ma liste de emails. Donc, j'ai pris mon courage à un doigt et j'ai appuyé sur « Envoyer ». Et là, ça fait « Bang ». Point de bascule. Juste avant, je voulais abandonner. Point de bascule, écoutez, j'étais un des plus gros clients du Journal de Québec, le plus gros journal dans la ville de Québec, parce que j'investissais par année environ 2 millions en publicité journal, télévision, radio, affichage pour la promotion de mes grandes vedettes internationales de passage à Québec. Et donc, tous les gens du journal me connaissaient, les patrons, j'étais un des plus gros clients. Mais moi, j'avais oublié qu'en appuyant sur « Envoyer », tout le groupe du journal était dans ma liste de emails. Et deux, trois jours après avoir appuyé sur « Envoyer », je reçois un appel du patron du journal, de l'éditeur en chef, qui me dit « Hey, Daniel, tu sais écrire? Tu viens de publier un livre? » Non, c'est pas un livre. Non, je suis même pas publié. Je suis même pas en boutique, en librairie, en bibliothèque. Non. C'est une carte d'affaires. C'est une carte de visite. Ouais, je me suis imprimé 2 boîtes de 50 exemplaires, c'est tout. Ouais, mais il me dit, on s'en fout. Maintenant qu'on sait que tu sais écrire, on te donnerait une chronique dans le journal. Dis ce que tu veux et on va donner tant de dollars par chronique. Est-ce que tu as le goût? Hein? Moi, quelques jours avant, je ne savais même pas que je savais écrire encore. Là, je me retrouvais avec une carte de visite sur mon site Internet qui commençait à très bien marcher et je me retrouvais avec une chronique dans le journal. OK, imaginez. Admettons que j'y avais pensé en quittant ma société. Quand j'ai donné les parts à ma partenaire, admettons que j'y avais pensé, admettons que je m'étais dit, ouais, je pourrais devenir un chroniqueur au journal. Ouais. Moi, je vais les appeler, je vais leur dire, écoutez, dans le grand public, personne ne me connaît, je n'ai jamais rien écrit de ma vie, je n'ai aucune idée si j'ai quelque chose d'intéressant à dire, et vous allez me donner une chronique et vous allez me payer par chronique. Est-ce que vous avez le goût? Pensez-vous vraiment que j'aurais fait ça? Zéro chance. De toute façon, ça ne serait jamais arrivé. J'ai appris que le chemin ne se présente qu'au fur et à mesure qu'on fait la chose qu'on a à faire, tout de suite, sans essayer de prédire l'avenir. Le chemin se présente. Ce que je devais faire pour un jour savoir que je suis capable d'écrire dans le journal et obtenir une chronique, c'était de prendre mon courage à 2 doigts, écrire une ligne, un chapitre, imprimer 2 boîtes de 50 exemplaires et prendre mon courage à 1 doigt et appuyer sur « Envoyer » pour qu'eux sachent que je sais écrire, finalement, et que j'ai quelque chose d'intéressant à dire, et surtout pour que moi, je sache que je sais écrire et que j'ai quelque chose d'intéressant à dire. C'est ça que je devais faire pour un jour obtenir une chronique dans le journal. Pas en sens inverse, ça ne serait jamais arrivé. Et là, mon livre, ma carte d'affaires sur mon site Internet, commençait à avoir beaucoup de succès. Et je commençais à vendre beaucoup de copies, même en Europe, grâce à Internet. Et là, tous les grands médias du Québec, les grandes émissions, parlaient de ma carte d'affaires sur mon site Internet, qui n'était pas publié. Et elle, au Québec, elle s'appelle Christine Michaud, mais elle, c'est comme notre... Vous connaissez Oprah Winfrey? Bon, mais c'est Oprah Winfrey québécoise. Pendant plusieurs années, elle avait une émission de télévision sur le développement personnel, la psychologie positive, le mindset. Elle a étudié à Harvard avec un prof en psychologie positive. Elle a été critique littéraire pendant plusieurs années à la télévision. Elle a écrit 9 best-sellers sur le sujet. Moi, je savais c'était qui, elle. Et moi, à chaque fois que... Là, ça faisait 3 mois que je m'auto-publiais et que je réimprimais des boîtes. Et à chaque fois que je faisais une vente sur mon site Internet, je recevais un email PayPal sur mon portable. Et je vous jure, il est 11 h le soir. Je suis dans mon lit,
Je m'apprête à dormir. Ma femme est à côté et j'ai mon portable dans mes mains. Et je reçois un email PayPal avec le nom de l'acheteur, Christine Michaud. Je dis à ma femme, Christine Michaud vient d'acheter mon livre en PDF. Elle vient de le recevoir dans son ordinateur. Je capotais. Ça, c'est flou, ici, ça. Un Québécois qui capote, là, je vous rassure, ça n'a absolument rien à voir avec les préservatifs. Okay? C'est une expression très québécoise qui veut dire c'est un extrême de bonheur. Un Québécois qui capote, là, il est très, très, très heureux ou très, très, très pas heureux. Okay? C'est un extrême de bonheur ou d'intensité émotionnelle. Mais je capotais, là, j'étais très heureux. Je ferme mon portable, je me couche, je dors. Je me réveille le lendemain matin, je reprends mon portable. Et j'avais un email de elle qui me disait « Allô, Daniel, j'ai lu ton livre cette nuit et j'aimerais beaucoup t'avoir dans mon émission de télé en entrevue. » Elle est très, très, très motivée, la dame. Parce que moi, je le sais à quelle heure elle a acheté le livre hier soir. Je ne comprenais rien. Quand on marche vers du fou, il arrive du fou. Écoutez, je fais l'entrevue qui était préenregistrée, qui allait passer quelques jours plus tard à la télévision sur la plus grande chaîne de télé au Québec, TVA. Mais là, je n'étais pas préparé mentalement à voir de la magie, des synchronicités, des planètes qui s'alignent. Non. Écoutez, moi, je m'assois le samedi après-midi. L'émission samedi après-midi en reprise le dimanche après-midi. Je m'assois sur le canapé avec ma grande fille et je dis à ma grande fille, on va écouter l'émission, là, une émission que j'écoute jamais. C'est une émission pour les dames. Ils parlent de psychologie. Là, j'écoute jamais ça. Une émission pour les madames. Donc, on va écouter toute l'émission. Parce que moi, je ne sais pas à quelle heure je vais passer dans l'émission. Je vais probablement passer 2 minutes vers la fin de l'émission. Mais là, je n'étais pas préparé mentalement à voir ce que j'allais voir et je vais vous le montrer. Là. Ça, c'est le 8 mars, ce que vous allez voir, il y a 5 ans et demi. Okay, regardez ce que j'ai vu alors que je n'avais aucune idée que j'allais voir ça. Regardez, tu peux mettre le son de la vidéo, s'il te plaît. Bonjour tout le monde, bienvenue à Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux. Aujourd'hui, on vous sort de votre zone de confort, rien de moins. On fait des sorties de zone, comme au hockey. Parfois, c'est payant dans la vie de faire des sorties de zone. Et je vais vous faire une confidence. Le livre que je tiens dans mes mains, bien, c'est un peu ce qui nous a donné l'idée de l'émission. Mais aussi, c'est surtout que j'ai découvert ce livre-là. On m'a parlé de ce livre-là à peu près 11 heures le soir. Je l'ai acheté en numérique sur le site Internet parce que la personne qui m'en avait parlé m'a tellement convaincue qu'il fallait que je lise ça. Et je l'ai lu une partie de la nuit, je l'ai terminé en déjeunant, prenant mon petit déjeuner le lendemain matin, et j'ai écrit à l'auteur par la suite pour dire « C'est incroyable ce que tu as écrit. » À quel point ça nous pousse, encore une fois, à jouer d'audace dans notre vie, même si moi, je considère que j'accomplis ma mission, que déjà, je sors régulièrement de ma zone de confort. Puis j'ai fini de lire ce livre-là, puis je me disais « Qu'est-ce que je pourrais faire pour me donner un défi supplémentaire? Comment je peux me réaliser encore plus, me déployer davantage? » Alors, c'est vraiment un coup de pied au derrière, d'une certaine façon, mais c'est sûr que ça aide à faire du changement positivement dans notre vie, à aller chercher d'autres talents peut-être qu'on ne se connaissait pas, à faire des formidables découvertes aussi. Donc, sortie de zone, c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec la belle Caroline Néron. Je capotais. Je ne savais pas que toute l'émission allait être sur mon livre, qui n'était pas un livre, qui était une carte d'affaires sur mon site Internet. Je n'étais même pas publié. Je vous jure, c'était une infopub. Pendant 30 minutes, pendant toute l'émission, elle remontrait mon livre et toutes les vedettes devaient parler de leur sortie de zone. Je n'aurais jamais été assez riche pour me payer une infopub de 30 minutes avec Oprah Winfrey québécoise qui parlait de mon livre comme j'avais l'impression qu'elle était en train de parler d'un auteur aux États-Unis qui venait de sortir un best-seller américain. Je ne comprenais rien. Écoutez, à la fin de l'émission, là, c'est samedi après-midi, là, c'était fou. Là. 1000 fois plus de demandes pour mon livre en librairie, en bibliothèque. Et là, sur mon portable, je recevais des emails PayPal. PayPal, ding, 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 PayPal, des ventes, des ventes, des ventes, des ventes, des ventes. Et là, les gens cherchaient mon livre en librairie. Et les librairies, les bibliothèques réalisaient qu'ils n'avaient pas du tout le livre que tout le monde demandait. Ils allaient tous sur Internet chercher l'éditeur et le distributeur. Et ils réalisaient qu'il n'y avait rien d'autre qui parlait de mon livre à part mon site Internet. Et sur mon site Internet, c'est mon portable. À la fin de l'émission, je suis assis sur le canapé. Oui, nous sommes une librairie dans le nord du Québec. Comment fait-on pour se procurer votre livre? Ben, je ne sais pas, moi, comment ça fonctionne. Je vous l'envoie par la poste, je vous le fais à 10 $. Vous le revendez 20 $. Je négocie mes prix. C'était sans arrêt. Les librairies, les bibliothèques. Oui, nous sommes une bibliothèque dans l'est du Québec. Comment fait-on pour se procurer votre livre?
Ben, je sais pas moi comment ça fonctionne, les bibliothèques. C'est quoi, je vous envoie une copie, vous le prêtez à 5 personnes et vous me renvoyez la copie? Je sais pas, j'ai jamais fait. C'était sans arrêt. En reprise, le dimanche après-midi, même émission, ding, ding, PayPal, PayPal, PayPal. Une histoire de fou, là. Écoutez, ça, c'est le 8 et le 9 mars, il y a 5 ans et demi, je vais m'en souvenir toute ma vie. Là. 2 jours après ce que vous venez de voir, 2 jours, je signais un contrat avec un vrai éditeur, et je vous jure, 3 semaines après ce que vous venez de voir, une sortie de livre, c'est prévu 1 an d'avance, des mois d'avance, les presses, papier et tout. Là. 3 semaines après ce que vous venez de voir, j'étais distribué dans toutes les librairies du Québec et les bibliothèques, et j'étais, 3 semaines plus tard, au Salon international du livre de Québec, et je signais des dédicaces. C'est bizarre. Hein? Si ça, ce n'est pas surréel, fou, je ne sais pas ce que ça veut dire le mot surréel et fou. Mais c'est ça qui arrive quand on marche vers du fou, parce qu'on sent qu'on doit faire et qu'on ne comprend rien et qu'on ne peut pas prédire l'avenir. Le chemin ne se présente qu'au fur et à mesure qu'on avance et qu'on fait la chose tout de suite, sans essayer de prédire l'avenir. Nous ne sommes pas assez intelligents pour ça. Je l'ai prouvé 1000 fois. Jamais j'aurais été assez intelligent pour deviner ce qui allait arriver. À chaque fois que j'ai fait des sorties de zone, c'était impossible. C'était toujours plus gros que je pensais. Écoutez, là, mon livre commence à avoir beaucoup de succès. Il est devenu best-seller. Là, je l'ai distribué partout. Toutes les grandes émissions de télé, de radio m'invitaient pour parler de mon livre. Il y avait comme un gros buzz autour de mon livre. Ça, c'est un humoriste animateur très connu au Québec, Maxime Martin, Marine Orsini, qui est très connue aussi au Québec, émission de radio, entre autres. Elle, là, c'est comme notre Angelina Jolie québécoise. Vous connaissez Angelina Jolie? Qui sortait avec Brad Pitt. Je dis Angelina Jolie parce qu'elle, elle sortait une comédienne très connue au Québec. Les films, la télé et tout. Elle sortait avec un Brad Pitt québécois. Un petit couple de vedettes de la télévision. Et je dis Angelina Jolie parce que cette photo aussi là, a été prise 3 semaines. Je sais parce que c'est moi qui l'ai prise, la photo. Là. A été prise 3 semaines, juste avant qu'elle se sépare de son Brad Pitt. Je n'ai aucune idée si j'ai un lien dans l'histoire et je ne veux pas le savoir. Ouais. Je vous jure, quand j'ai entendu la nouvelle à la radio, j'étais dans ma voiture, je me suis senti un petit peu coupable. Je me suis dit, j'ai peut-être un lien dans l'histoire. Et moi, depuis ce jour-là, depuis 5 ans, je reçois des photos de partout dans le monde, des gens qui, dans des pays où j'avais aucune idée qu'on parlait français, j'avais aucune idée qu'en Polynésie française, même si c'est française, j'ai aucune idée qu'on parlait français, je recevais des photos de Polynésiennes avec mon livre en Polynésie, sur le bord de statues de Polynésie. Lui, là, ce n'est pas mon ami. OK? Je le connais pas, ce gars-là. Moi, je reçois des photos à chaque jour. Il m'écrit, moi, j'ai gravi le sommet Kilimanjaro en Afrique et j'ai lu ton livre 3 fois en montant. C'est sûr que ça va pas bien, là. Hein? C'est sûr que tu as des problèmes. C'est pas normal. Écoutez, je reçois une missionnaire au Kenya qui m'écrit, allô, Daniel, moi, je la connais pas, elle. Là. J'étais dans une cérémonie, je suis missionnaire au Kenya, là. J'étais dans une cérémonie avec 1000 guerriers Maasai. Mais ton livre, tu sais, des choses qu'on ne peut pas prévoir dans la vie, là. Impossible de faire de la visualisation de ça, là. Non, ça arrive. Écoutez, j'ai même reçu des photos de Nantes. Ouais, et quand je monte ça au Québec, les gens me disent, les gens s'habillent vraiment très bizarre, hein, en fait, non? Beaucoup plus que des Maasai en Tanzanie. Et là, quand je vous dis que le chemin se présente qu'au fur et à mesure qu'on avance, qu'on ne peut pas prévoir l'avenir, hein, des producteurs télé m'appellent. Hey Daniel, c'est vraiment cool tes affaires sorties de zone. Ou on donnerait une chronique à la télé. On donnerait une émission, interview des gens qui ont fait ça et pose-leur la question comment ça fonctionnait dans leur tête avant, pendant, après leur sortie de zone. C'est ça que je pensais faire, moi, au début. Je pensais mettre ça sur YouTube. Je voulais pas devenir animateur à la télévision. J'avais jamais pensé à ça de ma vie, à 41 ans. Je savais même pas que j'étais capable d'animer à la télévision. Et là, c'est moi qui se retrouvais avec une émission de télé et c'est moi qui interviewais maintenant Oprah Winfrey québécoise, pour parler de psychologie positive dans des arénas de hockey sur glace. Et toute mon émission était filmée dans un aréna de hockey sur glace. Pourquoi? C'est exactement la raison pour laquelle j'ai appelé mes 2 livres « Sortie de zone » et « Entrée de zone ». Ce n'est que parce que moi, je suis un amateur de hockey sur glace depuis 44 ans. Et ça, c'est 2 expressions de hockey sur glace. Faire une sortie de zone et une entrée de zone. Et moi, ce qui me fascine le plus, depuis que j'ai publié mes 2 livres, c'est que c'est devenu je l'entends de plus en plus partout dans la francophonie, c'est devenu une expression dans le langage populaire. Les gens disent ça maintenant, faire une sortie de zone. Des fois, je suis dans des files d'attente, là, j'entends 2 personnes se parler, ils ne savent même pas je suis qui, qu'est-ce que j'ai fait dans la vie, ce que j'ai écrit. Et là, je les entends parler. Oui, ils parlent d'une amie en commun. Oui, notre amie n'a pas transcendé une peur quelconque, n'a pas embrassé un changement quelconque, n'a pas transcendé un inconfort quelconque. Non, ils se disent, notre amie a fait une sortie de zone.
Ça n'existait pas, cette expression-là, il y a, avant mes deux boîtes de 50 exemplaires. Moi, c'est la chose qui me fascine le plus. Et à partir de ce moment-là, depuis 5 ans, moi, je me suis mis à recevoir des demandes de conférences. Dans tous les types d'organisations, dans les congrès, dans les écoles, dans des sociétés, dans des usines, pour des salariés, peu importe. Et là, c'est bizarre parce que vous me voyez ici aujourd'hui, vous voyez des photos, là. Vous savez maintenant que je fais des conférences, mais je vous confirme à 100%, garantie 100%, là, que je ne suis pas né avec le plaisir de parler en public. Zéro. Ce n'est pas un talent naturel. Non, je ne suis pas né avec ça. Moi, ce qui me faisait le plus chier là, à l'époque, là, quand j'étais jeune, jusqu'à l'université, là, c'est lorsque le prof disait « Vous allez tous passer devant la classe, faire un oral devant la classe, de parler de vos passions à vos petits amis. » Moi, si le prof disait ça 3 semaines d'avance, je dormais mal pendant 3 semaines. Je ne pouvais pas croire que j'allais vivre une torture mentale. Un moment aussi souffrant que de parler devant la classe à mes petits amis. Okay? Et ça a duré toute ma vie, là, pas juste à l'école. À mon propre lancement, avec mes deux boîtes de 50 exemplaires, avec 100 copies, dans un petit bar à Québec, devant 50 personnes que je connaissais. Ça, c'est il y a 5 ans et demi. Là. Tous les gens, toute la soirée, venaient me voir. « Hey, Daniel, à quelle heure tu vas parler? » Parce qu'on va quitter à un moment donné, on veut juste savoir à quelle heure tu parles. Je te confirme, ça n'arrivera pas. Non, je ne parlerai pas. Moi, c'est impossible. Je ne suis pas né avec le plaisir de parler en public. C'est beaucoup trop difficile. Je veux juste mourir. C'est sûr que ça n'arrivera pas. Ça me stresse beaucoup trop. C'est beaucoup trop angoissant. Donc, je n'ai pas parlé moi-même à mon propre lancement devant 50 personnes. J'ai fait 42. Je dis, ça a duré longtemps. Là. Ma première conférence à vie, il y a 5 ans, devant 30 personnes. 30. Beaucoup moins qu'ici. J'ai tellement trouvé ça difficile, stressant et angoissant qu'à la fin, là, quand tout le monde a quitté la salle, je me souviens, j'étais assis sur la première chaise ici, et ma femme était à côté, là, et j'étais assis comme ça, là, j'étais vidé. J'avais jamais été fatigué comme ça de toute ma vie. Là. Plus de son, plus d'image, brûlé. Là. J'étais détruit. Là. Et j'ai dit à ma femme, à ce moment-là, là, assis sur la chaise en avant, je lui ai dit, j'ai tellement trouvé ça difficile, stressant et angoissant, que c'est clair et net que ça veut dire que je ne suis pas fait pour ça et que c'est clair que je n'en donnerai jamais une deuxième. Moi, je l'ai dit ça il y a 5 ans, parce que je le croyais. Ouais, parce qu'on est souvent tous aussi imbéciles que ça. Parce que c'est angoissant, je souffre, là. Ça veut dire que je ne suis pas fait pour ça. Ouais, parce que si tu es fait pour ça, c'est facile. Ouais. Si tu marches dans la bonne place, c'est facile. Ça va être non. Là, je me suis rappelé, Daniel, c'est parce que je me suis dit dans ma tête, ta gueule. Ouais. C'est parce que c'est de ça que tu parles dans la vie maintenant, chaque jour. Tu viens de faire une sortie de zone. Ouais. Ce n'est pas un message de la vie, là, parce que c'est difficile. La vie n'est pas en train de t'envoyer un message. Non. C'est de la physique. C'est des mathématiques. C'est un saumon qui vient de sortir de sa fosse. Il vient de se mettre le nez dans le courant. Et là, c'est difficile tout de suite. Ouais. C'est des micro-déchirures de la tête. Ouais, comme un muscle qui grandit, pour devenir en santé, c'est des micro-déchirures du muscle. Et ça fait mal. Après notre première journée d'entraînement, ça fait tellement mal qu'on n'est plus capable de bouger. Mais ce n'est pas un message de la vie. La vie n'a aucun rapport. Non, c'est de la physique. Continue. Comme apprendre à faire du vélo. Rembarque sur le vélo. Rembarque. Et un jour, tu vas passer le point de bascule, tu vas tellement l'avoir fait que ça va devenir intégré. Tu n'y penseras même plus. Ouais, là, tu vas devenir confortable, à l'aise. Tu vas pouvoir improviser. Et là, tu vas avoir du plaisir. Ça, c'est au point de bascule. Pas quand tu te mets le nez dans le courant. Ça, c'est difficile. Et ce n'est pas un message de la vie. Donc, j'ai continué. J'ai refait des conférences. J'ai souffert de moins en moins. Souffert. J'étais mauvais, de moins en moins mauvais. Et j'ai passé le point de bascule. Et je suis devenu très, très, très confiant. Juste au point de bascule. Et lorsque tu passes le point de bascule, est-ce que j'ai débordé de 16 minutes ou il me reste 16 minutes? Il me reste 16 minutes. Hein? OK. Et j'ai passé le point de bascule et j'ai vécu des choses que je pensais jamais vivre de ma vie. Écoutez-moi, il y a 2 ans, là, je donnais... Là, on voit mal avec ma photo. Là, mais ça, c'était un stade à Montréal. Ça, devant moi, là, c'est des milliers de personnes. C'est des gradins ici. Là. Ça, c'est un stade, c'est rempli. Écoutez...
quand tu n'as pas parlé à ton propre lancement de livre avec deux boîtes de 50 devant 50 personnes parce que c'était trop difficile il y a 3 ans, et pendant que tu parles sur la scène, tu vois ta face sur l'écran géant des 4 côtés là, dans la salle, je vous jure que ça, c'est un petit peu surréel. Fou. Et savez-vous quoi? Là, je n'étais même plus nerveux. Zéro stress. Mais je n'avais pas parlé devant 50 personnes. Je voulais mourir. Et je ne vous montre pas ça pour vous dire « Regardez comment je suis bon et que je suis meilleur que les autres. » Ce n'est pas du tout ça le point. N'importe quel con est capable de faire ça. Je vous le jure. Même vous, à la limite, vous seriez capable. C'est de l'humour québécois. Non, mais je vous jure que n'importe quel con est capable de faire ça. C'est facile. Ouais, t'as 2 pieds, là. Prends tes pieds et monte sur la scène. Ouais. Il y a un micro, là, puis il va mettre ta bouche juste à côté du micro. Ouais. Et le lundi matin, t'es capable de raconter des anecdotes de fin de semaine à tes collègues de travail. Ben, fais la même chose, t'as le micro. Ouais. C'est facile. Tout le monde est capable de faire ça. Hein? On s'entend là-dessus? C'est pas ça qui est difficile. Ben non. Ce qui est difficile, c'est « Mais qu'est-ce que les autres sont en train de penser de moi dans leur tête? » Et ça, c'est difficile, ça. Ça nous tue. Oh, ça, là, ça nous rend très, très, très inconfortable et ça nous stresse beaucoup. Ouais, comme si on allait mourir. Comme s'il y avait un grand danger là, de mort. Ça, ce n'est que de l'inconnu. On a peur de l'inconnu. Pas parce que c'est dangereux. On ne sait pas ce qu'ils pensent dans leur tête. Mais savez-vous quoi? Moi, là, maintenant, je le sais. Pas parce que je suis meilleur qu'un autre et que je suis bon, non. Ça fait 300 fois que je répète la même chose. Ouais. Je savais exactement tout à l'heure où vous alliez rire. Et je sais exactement où vous allez rire tout à l'heure. Ce que vous allez aimer, ce que vous n'aimerez pas. Pas parce que je suis bon. Non, je l'ai fait 300 fois. J'ai fait 300 fois du vélo. Quand on fait quelque chose et qu'on le répète, ça devient intégré. Et on n'y pense plus. Et là, on fait une entrée de zone, une entrée de fausse. Et c'est souvent plus gros qu'on pense que ça va être parce qu'on n'est pas assez intelligent pour savoir ce qui va arriver. Écoutez, ça m'a mené partout dans le monde. Je pensais jamais donner 2 conférences à Québec, dans ma ville. J'en ai donné 300 dans 6 pays. J'en ai donné des dizaines et des dizaines et des dizaines en Europe. Ça, c'est à la salle Gaveau, à Paris, entre autres. En Polynésie française, je pensais même pas un jour aller en Polynésie, à Bora Bora, là, 3 000 $ le billet d'avion, à côté de l'Australie. Je pensais jamais aller là un jour dans ma vie. Là. Et là, j'allais faire des conférences sorties de zone pour parler de psychologie dans des lycées à Tahiti. Comment vouliez-vous que je prévoie ça dans la vie? Pensez-vous vraiment que j'avais fait de la visualisation de ça? Non. Le chemin ne se présente qu'au fur et à mesure qu'on avance. Et des semaines de fou, là. J'en ai une cette semaine. Là. Mais par exemple, des semaines que je ne pensais jamais vivre de ma vie un jour. Là. Imaginez une semaine, 5 jours ouvrables, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, la même semaine. Je donnais 2 conférences le lundi à Bruxelles. Le mercredi, j'en donnais une à Lausanne en Suisse. Et le vendredi, j'étais à Casablanca au Maroc. Comment vouliez-vous que je prévoie ça dans la vie? Impossible. Et j'ai appris que le mot « stop » en arabe, ça s'écrit comme ça. Et le mot « McDonald's », ça s'écrit comme ça. Ouais, ça, je savais pas. Et j'ai donné ma conférence habillée en gel là-bas, parce que moi, ça me faisait rire. Et ça, là, vous connaissez les babouches? Ne mettez-vous jamais ça dans les pieds. Ça ne respire pas du tout. J'ai pué des pieds pendant 2 heures. Ah, ça m'écœurait moi-même. Je me sentais moi-même. Et si je fais ce que j'ai fait, je fais toujours des choses. Je pourrais faire une conférence 24 heures sur 24 pendant 7 jours sur 7 avec des preuves. J'en ai des milliers de preuves. Là. Je me dis toujours, c'est avant de mourir. Pas à la retraite, tout de suite. Qu'est-ce qui crée de la joie, de l'enthousiasme et des feux d'artifice dans ma tête, tout de suite? Et je le fais tout de suite. Et je me suis dit, avant de mourir, maintenant que je vis du fou, que je ne pensais jamais vivre de ma vie, qu'est-ce qui sera encore plus fou? Ouais, ce qui crée beaucoup de joie et d'enthousiasme, ce serait que mon livre soit un jour traduit en anglais. Et s'il était un jour traduit en anglais, moi, je ferais mon lancement fou à New York. Et tant qu'à être à New York, pourquoi pas, je ferais mon lancement de livre au Madison Square Garden. Je commencerai en bas de l'échelle. Donc, il y a deux ans, j'ai fait finalement le lancement de mon livre version anglophone, un breakout, une sortie de zone en anglais, ou hockey sur glace, à New York, au Madison Square Garden, dans le cadre d'un match des Rangers de New York contre les Panthers de la Floride, parce que moi, j'aime beaucoup le hockey, et ça me faisait rire. Et quand on marche vers du fou, on ne sait pas ce qu'on va voir. Parce que moi, il y a quelques mois, j'ai vu ça. Ça, c'est la version russe de mon livre. Pensez-vous vraiment que j'avais fait de la visualisation de ça? Que j'avais prévu ça dans la vie? Non. Écoutez, par chance qu'ils m'ont envoyé le premier exemplaire pour que je l'approuve. J'ai été insulté. Ah, je capotais. C'était bourré de fautes d'orthographe.
je suis même pas capable de lire mon nom. Tu sais, quand on dit faire un acte de foi, là. Ouais, il paraît que ça veut dire Daniel Blouin. Ça dit Daniel Blouin, je l'ai appris, là. Et ça veut dire sortir de zone. Ouais. Puis je sais pas pourquoi il y a le chiffre 30 ici, là. Moi, je leur fais confiance. Ouais, je me suis pas très trop obstiné avec eux. Dans l'histoire du Québec, il y a deux grandes chanteuses. Tu sais, des affaires de fou, là. Il y a deux grandes chanteuses dans toute l'histoire du Québec. Céline Dion et Ginette Reno, qui est moins connue ici, là, mais Ginette avait très connu au Québec, dans l'histoire du Québec. Elle avait le même manager que Céline Dion, c'est-à-dire René Angelil. René Angelil, avant de s'occuper de Céline Dion, s'occupait de Ginette Reno. Et que moi, Ginette Reno vient de me voir après une conférence et qu'elle me dise, comme si c'était Céline Dion, « Allô, Daniel, moi, je veux absolument acheter tes deux livres. Combien ça coûte? » Déjà qu'elle sache mon nom, je trouvais ça un peu étrange. Je vous jure, je lui donne le prix. Je vous jure, il y a quelqu'un qui a filmé ça sur vidéo. Hein. Je ne m'attendais pas à ça du tout dans la vie. Je lui ai donné le prix, elle a mis sa main dans son soutien-gorge, elle a sorti l'argent liquide, je lui ai donné la monnaie, elle a remis la monnaie dans son soutien-gorge. Ouais, elle est assez spéciale, Mme Renaud. Et quand Mme Renaud est partie, j'ai dit à mon ami qui était témoin de la scène, je lui ai dit, est-ce que c'est ça qu'on appelle vivre un moment? Oui, je pense que je viens de vivre un bon moment. Hein. Écoutez, moi, ce que j'ai découvert depuis que j'ai publié mes deux livres, Entrée de zone, moi, il y a une valve qui s'est ouverte. Moi, mon deuxième livre a été beaucoup plus facile, beaucoup moins stressant, beaucoup moins difficile. J'ai passé le point de bascule et j'ai gagné en confiance. Mon Entrée de zone, c'est la suite, c'est le tome 2. Tout ce que je dis dans mon premier livre, à la dernière ligne, je ne sais pas ce qui arrive après. Mais tout ce que je dis dans le livre, après, je l'ai prouvé fois 1000. C'était 1000 fois plus gros que je pensais que ça allait être. Et écoutez, moi, ce que j'ai réalisé, là, sortir de sa zone, ça ne veut pas dire changer de travail et de carrière. Parfois, des fois, c'est ça. Ça, c'est des grandes sorties de zone extrêmes. Ça veut juste dire transcender des peurs et des inconforts pour faire la chose qu'on est supposé faire, pour passer à un autre niveau et obtenir des résultats auxquels nous ne sommes pas habitués. Parce que si on ne passe pas le mur du feu, du stress, de l'angoisse, ça veut dire qu'on fait copier-coller et qu'on fait toujours la même chose. Parce que ça, c'est facile. Ça, c'est connu. Ça, c'est confortable. Mais ce n'est pas comme ça qu'on obtient des meilleurs résultats. Écoutez, je ne sais pas ce que vous faites, je sais grosso modo, mais dans quelle industrie vous œuvrez, mais peu importe ce que vous faites dans la vie, là. Il peut y avoir 1000 sorties de zone dans votre travail, dans votre carrière. C'est quoi qui vous stresse? C'est quoi qui vous angoisse? C'est quoi la nouveauté à laquelle vous allez avoir à faire face? Que la vie va vous imposer ou que vous sentez que vous devez faire? En bout de ligne, c'est la même chose. On n'a pas le choix. Dans votre travail, est-ce que c'est, dans votre industrie, peu importe, est-ce que c'est, je ne sais pas moi, une nouvelle récession qui s'en vient? Hein, peut-être, ça, c'est pas vous qui décidez, ça va arriver. Est-ce que c'est une nouvelle loi à laquelle vous résistez? Ça vous fait chier. Un nouveau président hein, qui est en train de tout changer, un nouveau gros client, ça c'est stressant, un nouveau gros client. Un nouveau produit, une nouvelle technologie. Moi, au début, Internet, ça me faisait chier. Est-ce que vous reviendriez au fax? Aujourd'hui, moi, je ne reviendrai pas au fax. Moi, j'aime ça, Internet, mais au début, je n'aimais pas ça. Un nouveau collègue, une nouvelle politique interne ou une nouvelle attitude. Ah oui, ça, c'est une grande sortie de zone pour certains. Je donne souvent ma conférence dans des sociétés, dans des usines, pour des salariés, peu importe. Et je prends trois personnes au hasard. Je leur dis, peut-être que vous trois, là, dans le fond, là, toi, là, une grande sortie de zone pour vous trois, ça serait peut-être juste de vous mettre un sourire dans le visage. Oui, essayez ça. Ouais, essayez d'être agréable, poli, avenant. Ouais, mais vous allez avoir une micro-déchirure de la tête, là, mais peut-être de la gueule en même temps, mais mettez-vous la banane. Oui, en France, on dit se mettre la banane, mettez-vous la banane. Vous allez peut-être obtenir des résultats extraordinaires ouais, auxquels vous n'êtes pas habitué. Parce que vous, hein, vous êtes habitué, vous êtes des gens terre à terre. Hein. Il y en a qui me disent ça. Moi, je suis quelqu'un de terre à terre. Je ne vis pas dans un monde de bisounours, non, on dit calinours. Je sais que la vie, c'est dangereux. Les autres veulent m'attaquer, veulent me voler. Puis les autres me font chier. Fait que c'est, moi, là, c'est ça. C'est difficile, puis ça me fait chier. Tu sais, des gens lourds, là. Et je sais qu'il n'y en a pas ici ce soir. Est-ce que quelqu'un vous est venu en tête? Tu sais, des gens qui se plaignent, là, qui font pitié, gnagnagna. Tu sais, comme un vrai français, là. Ça, c'est de l'humour, hein? Ce que j'ai découvert, là, c'est que la vie nous l'impose, le changement, que notre industrie nous l'impose, que notre patron, que notre société, peu importe, on s'en fout, qu'elle nous l'impose ou qu'on le sente, en bout de ligne, la Terre tourne. Elle s'en fout complètement de nous, de notre opinion là-dessus. Elle s'en fout et elle va tourner. Ça va arriver. Donc, nous n'avons pas le choix. Non, c'est pas vrai, on a un choix. Le seul choix qu'on a par rapport au changement, de l'extérieur ou de l'intérieur, c'est celui-ci.
On a juste le choix, c'est le seul choix qu'on a. On a le choix de résister et souffrir ou de l'embrasser et de grandir le changement. Parce que c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire grandir, évoluer, avancer dans la rivière, passer à un autre niveau. C'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est écrit en français de France. Parce que moi, je vous le dirais en québécois, là, résister et souffrir, je dis, fais chier. Oh, ma famille, oh, mon papa, ma maman, mes amis, oh, le gouvernement, les taxes, nanana. Tu sais, quelqu'un qui souffre, là, qui fait nanana, il souffre. Ou ça, en québécois, on dirait embrasser, grandir, on dirait ferme ta gueule. Ouais, ferme ta gueule. Puis nous, on met un Y, ça ferme encore mieux, là, fait ferme ta gueule. Ouais. Fais ce que tu as à faire tout de suite. Ouais. Arrête de regarder la montagne. La montagne est là-bas, là. Ça, c'est inconnu. C'est trop gros. Ça va te décourager. Regarde plus la montagne. Ouais. Ta gueule et regarde par terre. Et fais tout de suite ce que tu as à faire tout de suite. Et continue à fermer ta gueule. Ouais. Continue à faire. Avance. Fais ce que tu as à faire chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Et là, un jour, tu vas passer le mur du feu. Ouais. Ça va être stressant. Ça va être difficile. Ça va être angoissant. Tu vas dire, oh, j'ai peur. Et continue à fermer ta gueule et avance. Tu vas voir ce mur de vapeur. Ouais. C'est pas un mur de briques. Plus tu vas avancer, plus tu vas fermer ta gueule et tu vas arrêter de te plaindre comme une pauvre victime. Tu vas voir, la peur va s'évaporer. Ouais, elle va s'évaporer. Et un jour, dans quelques semaines, dans quelques mois ou dans quelques années, tu vas regarder en arrière avec le recul et tu vas, maintenant que tu sais ce que ça a donné comme résultat, là, d'avoir passé le mur du feu, du stress, de l'angoisse, de la peur, tu vas te dire, mon Dieu, dans le temps, là, avant que je passe le mur du feu, là, mon Dieu, que, maintenant que je sais ce que ça a donné, là, j'avais tellement peur pour rien. Hein? Et je, maintenant que je sais que j'avais peur pour rien, avoir su ça, là, j'aurais tellement dû faire ça bien avant. Tu sais, cette affaire-là, là, qu'on aurait dû faire bien avant, parce qu'on résistait, on souffrait. Je vais vous lire en quelques mots qui ne sont pas de moi, mais en d'autres mots, tout ce que je viens de vous dire dans les dernières minutes, je vais vous lire la très courte préface, très courte, que Annie Broccoli, ça c'est devenue une personnalité publique au Québec, chanteuse, animatrice de télé pour enfants, je vais vous lire en ces mots ce qu'elle avait écrit pour ma préface. Très court, mais ô combien puissant. Nous nous souvenons toujours de nos premières fois. Et nous souvenons aussi des personnes qui y étaient. Le 22 juillet 1999, j'ai fait mon premier spectacle d'Annie Broccoli dans un parc extérieur à Saint-Hyacinthe. Et je me souviendrai toujours de l'inconfort que j'ai ressenti et du soutien que Daniel Blouin travaillait à l'époque chez Taka Musique m'a donné. Quand ma nervosité prenait le dessus, je me réfugiais dans son regard qui me confirmait que j'étais à ma place. Depuis, j'ai compris que chaque fois que je ressens un inconfort dans ma vie professionnelle ou personnelle, de changer de pointure, de chaussure et que je grandis. Quand mes souliers deviennent trop confortables et qu'ils se sont moulés à mes pieds, je sais qu'il est temps de sortir de ma zone de confort et de goûter à l'inconnu. Quand je serai grande, j'aurai une garde-robe remplie de chaussures qui me rappelleront toutes les fois où j'ai grandi. Et j'aurai toujours une affection particulière pour la plus petite paire. Celle que je portais le 22 juillet 1999, soit le jour où j'ai décidé que mes désirs étaient plus forts que la confiance que j'avais en moi. Celle-là, je la répète, soit le jour où elle a décidé que ses désirs étaient plus forts que la confiance qu'elle avait en elle. La vie est si courte. Sortez-vous aussi magasiner une autre paire de chaussures, parce que changer de chaussures, c'est vouloir devenir grand, Annie Broccoli. Sur ce, bonne fin de soirée, mais surtout bonne vie et bonne sortie de zone. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Très gentil. Merci beaucoup. Bon repas. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Très gentil. Merci.